J'ai décidé de renier mon passé. Je te laisserai pas! Tout ce que j'ai appris, je le tiens des gens de mon passé. C'est parce que j'avais mes amis que j'ai pu avancer. Ils ont façonné l'homme que je suis. Je te laisserai pas renier ton passé. Dans ce cas, tu sais pertinemment ce qu'il te reste à faire. Un fléau s'est abattu sur la rivière du temps. Un incident affecte le cours de l'histoire des hommes. Il pourrait provoquer sa disparition. Un monde des ninjas sans histoire n'en est pas un. Un monde des ninjas sans histoire serait dénué d'humanité. Le livre de la transcendance que vous avez composé il y a si longtemps est désormais oublié. L'histoire doit être ressuscitée. Mais pour y parvenir, il faut en bâtir les solides fondations afin que sa voie soit toute tracée. Par conséquent, nous les érigerons tous ensemble. Une fois de plus, nous devons coucher sur le papier les vers de ce livre oublié. Maintenant, commençons.
À partir de ce jour, l'histoire sera réécrite. Ce faisant, nous devons lui octroyer un rôle central. Les circonstances de sa naissance étaient cruelles. Le démon à neuf queues, plus connu sous le nom de Kiyubi, fit irruption au pays du feu et chercha à dévaster le village de Konoha. Le quatrième Hokage, alors chef du village, scella l'esprit enragé dans le corps de Naruto Uzumaki et rétablit temporairement la paix à Konoha. En tant que réceptacle du démon à neuf queues, Naruto endura la persécution des villageois pendant toute son enfance, mais il conserva le sourire. Au fil des années, Naruto devint un jeune homme et ne rêva plus que d'une chose, devenir Hokage. Armé d'un optimisme à toute épreuve, il se retrouva rapidement entouré d'amis proches. Parmi eux se trouvaient Sasuke, un jeune homme du clan Uchiwa, et Sakura Haruno, une fille qui admirait beaucoup Sasuke. À l'obtention de leur diplôme de ninja, Naruto et ses deux shinobi intégrèrent l'équipe 7. Ensemble, ils accomplirent d'innombrables missions et se lièrent d'une profonde amitié. Toutefois, avant de pouvoir partir effectuer ces missions, ils durent relever le défi imposé par leur maître, Kakashi Hatake, à qui l'on avait confié la lourde tâche de mettre leurs capacités à l'épreuve. Cet entraînement n'aura rien à voir avec les autres. C'est un test qui va nous permettre de voir quelles sont vos capacités de potentiel, Genin. Ça y est. L'heure est venue. Que la session de survie commence. Sur les 27 diplômés, seuls 9 seront acceptés en tant que Genin. Vous entendez? Cela signifie que vous avez au minimum 66% de chances d'échouer et de ne pas être accepté. Quoi? C'est pas possible! Dans ce cas, à quoi ça servait l'épreuve du diplôme alors? Ah, l'épreuve du diplôme, hein? Ça, c'était juste pour trouver des candidats qui deviendraient potentiellement Genin. Quoi? Allez, bon sang! Moi, je tiens pas vraiment à me faire évincer aussi vite! Ma question! Me voilà! Moi, de jouer! Hors de la vue! Viens, je suis prête! Me voilà! Ce n'est pas fini! On ne me bat pas aussi facilement! On peut toujours compter sur moi, quand il le faut! J'avoue que ce n'était pas mal du tout. Hey, c'est plus fort que je le croyais. Là! Hors de ma vie! Éclair pour ça! Et à moi de jouer! C'est pas loin! Me voilà! Qu'est-ce que... Allez. Tu dois faire quelque chose. Ça ne va pas du tout. Ouais. Mais qu'est-ce que... Yes, je suis prête. Voilà.
Très bien, vous avez réussi. Hein? Hein? Mais nous n'avons même pas réussi à prendre les clochettes! Je ne testais pas vos capacités individuelles. Ce que j'évaluais, c'était plutôt votre travail d'équipe. Notre travail d'équipe? Dans le monde des ninjas, on peut dire que les règles comptent. C'est vrai. Mais il n'y a rien de pire qu'un ninja qui délaisse ses amis. C'est ce qui compte plus que tout. Et tous les trois, vous l'avez bien compris. Bien sûr. Vous allez devoir continuer à vous entraîner d'arrache-pied. Cela va sans dire. Très bien. L'exercice est à présent terminé. L'équipe 7 fera sa première mission dès demain. Suite à leur épreuve contre Kakashi, les trois jeunes shinobi apprirent l'importance de la collaboration et formèrent officiellement l'équipe 7. Malgré les ambitions et les rêves radicalement différents qui les habitaient, les trois amis s'élancèrent de concert sur la voie du ninja. Et c'est ainsi que débuta leur périple sans fin. Désormais membres officiels de l'équipe 7, les trois ninjas reçurent pour mission d'escorter un dignitaire jusqu'au pays des vagues. On y construisait un pont destiné à relier cette région démunie aux autres nations. Toutefois, les travaux étaient régulièrement sabotés par un groupe qui voyait ce projet d'un très mauvais œil. L'équipe 7 prit la décision de protéger le pont jusqu'à la fin de sa construction. C'est à cet instant que deux personnages étranges firent irruption et déclenchèrent un combat féroce.
Ce duo était composé de Zabuza Momochi, l'un des sept épéistes de la brume, et de Haku, un jeune prodige et disciple de Zabuza qui possédait des pouvoirs tout à fait extraordinaires. Malgré des sentiments ambivalents à l'égard de Haku, Naruto comprit que ce dernier n'était qu'un outil entre les mains de Zabuza. Afin de défendre ses amis et ses convictions, il se résolut à affronter Haku avec l'aide de Sasuke. Maintenant que je suis là, rassurez-vous, je promets que tout ira bien. Vas-y, ne retiens pas tes coups, Sasuke! C'est pour ça que tu es là, pauvre minable. Ouais, ok, j'arrive! Ne te laisserai pas t'enfuir! C'est à moi de jouer! T'approche pas! Je me bats pour quelqu'un qui m'est particulièrement précieux. Je vis et j'affronte la mort pour lui. Je vis et j'affronte la mort pour que son rêve puisse devenir réalité. Je vaincrai quiconque s'oppose à Zabuza. Je n'aurai de pitié pour personne. Je ne laisserai jamais mes proches et tous ceux que j'aime souffrir. Je m'y refuse. Quoi qu'il arrive, à la fin, la victoire sera à moi. Au beau milieu de ce combat acharné, Sasuke éveilla ses Sharingan, les pupilles spéciales du clan Uchiwa, inversant ainsi le cours de la bataille. Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu sauvé ? Je ne t'avais rien demandé ! Je ne sais pas. Mon corps a bougé tout seul. Pas eu le temps de réfléchir. Minable. Face à cette tragédie, Naruto sombra dans une rage inextinguible et éveilla la puissance de Kyuubi. Rapidement, Haku fut submergé par ses attaques. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne te pardonnerai jamais ! Tu entends ? Je suis très loin d'être à la hauteur de ce gamin. Ah, Zabuza.
Alors que Naruto et Sasuke affrontaient Haku, Kakashi menait un combat mortel avec Zabuza. Un imposteur comme toi ne peut pas me battre. Au nom du pays des vagues et son avenir, je vais en finir avec toi. Ton avenir ne tient qu'en un mot. La mort. Zabuza, tu ne pourras jamais me battre. Si je me bats, c'est pour mes ambitions et rien d'autre. Tu représentes un trop grand danger. Je dois t'arrêter ici. Me voilà. Air profondeur. T'as été trop ambitieux. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? C'est à moi de jouer. Éclair profondeur. Double éclair profondeur. Tu ne peux pas me battre dans cet état. Adieu. Disparais, démon. C'est la fin. C'est la fin. Éclair profondeur. Une telle ambition nécessite de nombreux sacrifices. C'est indigne d'un ninja. Double éclair profondeur. Quand Kakashi s'élança pour lui porter le coup de grâce, Haku s'interposa dans le but de protéger son maître. Quand on a quelque chose de précieux à protéger, on trouve en soi une force insoupçonnable. Grâce à sa détermination sans faille, Haku était resté fidèle à son Indo jusqu'à la fin. À cet instant, Gato, le commanditaire de Zabuza, arriva à la tête d'une bande de malfrats. Puisqu'il n'avait plus besoin de ses deux mercenaires, il comptait les abattre en même temps que l'équipe 7. En gage de gratitude pour l'empathie dont Naruto avait fait preuve envers Haku, Zabuza usa de ses dernières forces pour assassiner Gato. Tu as toujours été à mes côtés. La moindre des choses que je puisse faire, c'est d'être moi aussi à la fin à tes côtés. Je sais bien que ce n'est pas possible, mais j'aimerais tellement te rejoindre là où tu es. La neige se mit à tomber, telle des larmes venant des cieux. Et Zabuza rendit son dernier souffle aux côtés du corps brisé de Haku. Voir ces deux ninjas rester fidèles à leur Nindo jusqu'à la fin marqua à jamais le cœur de Naruto.
L'examen des Chunin, un événement organisé par Konoha, par Suna, le village caché du sable, ainsi que par des nations voisines, vise à mettre leur Genin à l'épreuve. En réalité, l'objectif principal de chaque participant était de montrer sa puissance militaire au cours d'une simulation de guerre à petite échelle. Les trois amis Naruto, Sasuke et Sakura mirent à profit les capacités acquises au cours de leur précédente mission afin de relever les deux premiers défis. Toutefois, pour la troisième épreuve, ils furent contraints d'affronter un autre ninja. Naruto fut opposé à un ancien camarade de l'académie, Kiba Inuzuka. Je ne perdrai jamais contre quelqu'un comme toi! C'est facile à dire. Bon, voyons un peu de quoi tu es capable. Si tu es mon adversaire, alors j'ai déjà gagné. Un jour, je serai au Kage. Alors il n'est pas question que je perde. Toi, au Kage. Quand t'es rêve. Et toi, ne me sous-estime pas. Martyr de la paix. Gros lent. Tu dois faire quelque chose. Ça ne va pas du tout. C'était mieux que j'imaginais. Ce n'est pas fini. On ne va pas aussi facilement. Ne prends pas la grosse tête. Je vais me déchirer. Un jour, je serai au Kage. Alors il n'est pas question que je perde. Ébloui par cet impressionnant coup de théâtre, les spectateurs présents commencèrent à se rendre compte du potentiel que démontrait le jeune Naruto. Mais ils ne furent pas les seuls, car Naruto lui-même réalisa soudain l'ampleur de ses capacités. Thank you.
Les matchs préliminaires prirent fin et ils cédèrent la place aux phases finales. Naruto fut opposé à Neji Hyuga, considéré comme le genin le plus puissant de tout Konoha. Ce dernier avait écrasé Hinata Hyuga dans la phase précédente. Vexé par les propos méprisants de son adversaire, un perdant reste un perdant. Naruto jura de laver l'affront que lui et Hinata avaient subi. La victoire est à moi! Tu vas apprendre à la dure que personne ne peut véritablement changer le destin. Je ne peux pas me battre, parce que ce n'est pas ton destin. Je refuse de perdre face à un lâche qui se cache derrière le destin et d'autres excuses. C'est hors de question. J'ai vraiment hâte de contempler ton désespoir, une fois que tu auras enfin saisi la réalité. Il n'y a pas moyen que je perde, et encore moins contre toi. Aucune chance. Voilà. C'est lamentable. Par ici. Par ici. Par ici. Incroyable. Comment ai-je pu? Épargne-moi ces sottises sur le fait que personne ne peut changer le destin. C'est du grand n'importe quoi. Parce que, contrairement à moi, toi, tu n'es pas un échec. Tu peux t'en sortir. Neji avait un jour déclaré qu'on ne pouvait changer son destin, en référence au rôle de sa branche au sein du clan Hyuga. Mais inspiré par son combat avec Naruto, il commença lui aussi à croire que l'on pouvait finalement être maître de son propre avenir.
Ce conflit soudain déchaîna un chaos sans précédent dans le village de Konoha. Hiruzen Sarutobi, le troisième Hokage, affronta Orochimaru au beau milieu de ce tourbillon de rage. En tant que Sanin légendaire, Orochimaru avait autrefois été son propre disciple. Si Orochimaru avait attisé les flammes de la haine, c'était bien pour détruire le village de Konoha de ses propres mains. En fait, il espérait également enlever Sasuke. Et tout cela dans l'espoir que ce dernier lui permette de se réincarner dans un corps puissant. Pour défaire Hiruzen, Orochimaru utilisa une technique interdite qui lui permit de ressusciter Hashirama et Tobirama Senju, les deux premiers Hokage. Il voulait initier une bataille féroce entre Hokage. C'est intéressant. J'éprouve une joie étrange à blesser celui que j'appelais pourtant autrefois maître. Ah, alors je parie que tu dois le sentir passer, celui-là, hein? Le contraire m'étonnerait. Patience. Dans quelques petites secondes, toi aussi, tu vas goûter à ce doux frisson. Orochimaru est en train de les réanimer. Quoi? Qu'y a-t-il de plus horrible que de manquer de respect envers les morts et de manipuler le temps? Ne les laisse pas te tuer trop vite, quand même. Ce ne serait plus vraiment amusant. C'est terminé. Je ne te laisserai pas. On dirait que tu anticipes mes actions. Katon, souffle infernal. Katon, souffle. Katon, souffle. Je te laisserai pas. Je ne te ferai plus de de Konoha. Vois-tu, je ne savais pas que le village du sable était passé à l'action. Est-ce que ça fait aussi partie de ton plan, ça? Tu devrais savoir que l'histoire ne s'arrête jamais. Cher maître Sarutobi, malheureusement, quoi que tu entreprennes, tu t'y prends trop tard. En combo des cinq éléments. Tu as choisi les ténèbres et je vais t'infliger le châtiment que tu mérites. Ton rêve d'anéantir le village de Konoha s'arrête ici. C'est fini. Ah, espèce de pathétique vieillard sans force! Rends-moi mes bras maintenant! Comment oses-tu t'accaparer ma technique? Adieu, Orochimaru, mon très cher disciple.
Le plan d'Orochimaru pour détruire Konoha fut un échec. Tous les ninjas du village de Konoha avaient mis leur vie en jeu pour déjouer l'ignoble complot d'Orochimaru. Là où virevoltent les feuilles, les flammes surgiront. L'ombre du feu illuminera le village et les bourgeons de l'arbre de Konoha apparaîtront. Lors de son combat désespéré contre Sasuke pendant l'examen des Chunin, Gaara avait sombré dans une rage incontrôlable. Afin de le protéger lui-même de sa folie apparente, les ninjas du sable n'eurent d'autre choix que de l'exfiltrer. Sasuke les poursuivit avec ferveur et parvint à les rattraper au milieu de la forêt de Konoha. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je vais te donner un avant-goût de ce qu'est vraiment la peur. Partant pour affronter n'importe qui pour tester ma force. Montre-moi ta puissance et ce que tu sais faire. À présent, fais-moi me sentir vivant. Tiens! Allez, hors de ma vue. Ennemi l'oiseau! Eh bien, je n'en ai pas encore eu assez. Tu pourrais faire un petit peu. Allez. Amuse-moi encore un peu. Je sais que tu peux le faire. Tu joues avec ta chance. Oiseau. Allez, hors de ma vue. Tiens, pour... Allez, hors de ma vue. Cette issue était inévitable. Émile Oiseau. Grâce aux mille oiseaux, un ninjutsu dévastateur que lui avait enseigné Maître Kakashi, Sasuke confronta Gaara. Malheureusement, Orochimaru avait apposé sa terrible marque maudite sur le jeune Sasuke. Il se retrouva soudain totalement paralysé. Arrête ça sur le champ! Naruto, mais
Qu'est-ce que tu fais ici? À l'instant même où le sable de Gaara fut sur le point de frapper, Naruto apparut pour porter secours à son ami. Comme Naruto, Gaara était le réceptacle d'un démon à une queue du nom de Shukaku. Les seuls liens que Gaara partageait avec autrui étaient les chaînes de la haine et de la folie meurtrière. À ses yeux, le combat ne pouvait que se solder par la mort. Naruto combattait pour sauver son ami. Et Gaara se battait pour lui-même. Une violente confrontation éclata entre les deux shinobi au passé si proche et pourtant si différent. Je vais tous vous écraser en miettes, toi et tous tes petits amis insignifiants! Mes amis, ils représentent tout pour moi. Je les protégerai de toutes mes forces, coûte que coûte! C'est quoi le problème?
Maintenant, meurs! You! Oh! You! Balle d'ombre, chargez! Quelque chose, ça ne va pas du tout. Envole-toi, Phuton, distorsion de l'air. Balle d'ombre chargée. Pourquoi vouloir aller aussi loin, hein? Je ne m'avouerai pas vaincu, Turdon! Voilà! Ça y est!
Il est presque insupportable, tu ne trouves pas, ce sentiment d'extrême solitude? Pourtant, j'ai désormais des gens dans ma vie, des êtres qui me sont chers. Je donnerai ma vie pour eux. Personne ne leur fera jamais de mal. Puisant dans ses dernières réserves, Naruto asséna à Gaara un puissant coup au visage. Cependant, ce n'était pas la haine qui avait motivé son assaut, mais bien la sympathie d'un jeune homme qui avait enduré exactement les mêmes épreuves. Je connais très bien ce sentiment. Ça m'est arrivé à moi aussi d'être dans l'ombre et dans la solitude. Pourquoi? Mais pourquoi vouloir faire ça pour quelqu'un d'autre que toi? Pour une raison simple. Ils m'ont sauvé de moi-même, de ma solitude. Ils ont été les premiers à m'accepter, tel que je suis. Parce que ce sont mes amis. Des amis, dis-tu? Ah, je vois. C'est donc l'amitié qui te donne autant de force, alors. Conscient des tourments qu'engendre la solitude, Naruto saisit pleinement la souffrance de son adversaire. Néanmoins, il était désormais accepté par de nombreuses personnes d'importance et ne pouvait pas fermer les yeux sur l'agression de Gaara. Témoin du pouvoir de l'amitié, Gaara put réprimer sa soif de sang et se replia avec l'aide des autres ninjas du sable. Il s'éloigna en espérant qu'un jour, il pourrait faire comme Naruto.